Salut tout le monde, j'espère que nous en forme. Dans la vidéo aujourd'hui, on va montrer nous comment pour revendre 4 visas sur la plateforme EveryCards. Pour commencer, on va descendre. Ou pour aller par en bas là, dans la partie business. Là, ok? On va cliquer sur le bouton Learn More. On va cliquer sur lui pour qu'on ait quelques informations avant que ou lancer ou dans business. On va plier détail ça yo, après cliquer sur bouton jaune abrico qui en bas qui marque get started là, OK? On va cliquer sur lui pour qu'a commencer process là. Après ça, on va mettre email ou avec nom, on va mettre nom prénom et puis on va cliquer sur bouton next step là. Système n'a voyons email ba ou sur email ou t'enregistrer qui donc assure qu'on mette un email qui valide et puis automatiquement fini recevoir email là, on va mettre on va privé sur plateforme là. So, ça c'est plateforme EveryCards, c'est sous les wapka créer 4 personnels ou et c'est sous les tout wapka créer 4 pour clients ou pour gagner dans business yo. Mais avant ça, on doit recharger compte, on clique côté nous icône là li indique nous et puis on recharger compte. Pour recharger compte, c'est très simple, on met des valeurs là et puis système n'a tout dit combien la bail en dollars et pour cliquer sur bouton top up là, il va vous sur mon cash et puis de mon cash, on met numéro de téléphone ou on met code PIN ou pour commencer paiement et puis après une fois que comme la montée soit prête pour faire connaître c'est commencer créer 4 pour clients ou soit créer 4 personnels on clique sur bouton open là et puis après approuver sur panel pour créer 4 pour clients on clique sur bouton jaune abri quoi qui marque créer code on clique sur lui et là on commencer créer 4 pour clients pour créer 4 c'est très simple on mettre nom client là nom la prénom et puis on mettre email assure que email là valide et puis après on clique sur bouton create customer code là une fois qu'on fin créer 4 là so on prend liste 4 ou créer pour client on paraît en bas là on clique pour activer. Une fois qu'on finit activer, la paire de conseil, j'ai que nous restons en bas, et puis, on va cliquer sur lui là pour qu'on recharge 4 clients. On va mettre montant, et puis après, le système n'a tout dit, mais combien la pied, combien frais à prendre. Donc, on va faire comme tout, on va recharger 4 pour clients. Frais à pas en bas là, c'est vous même qui pouvez le mettre de façon pour qu'on faire comme dans la recharge là. Ok? Très très simple. Et puis, pour vous, 4 là pour clients, on va cliquer sur le bouton partager là, sur le icône partager. On va faire, nous allons là, on va faire simulation, on va vous 4 ça pour le monde. So, je vais peut-être moi encore. Et puis, nous, là, bouton partage, je vais cliquer. Et puis, lien plat. Client, ça, la prête pour faire, c'est cliquer sur le lien, ça, là, pour qu'il y ait accès avec compte, là. Automatiquement, cliquer sur le lien, là, pour venir dans l'interface comme ça. Nous, quand il y a un non-business, mais pas être en bas, là, qu'on va passer, qu'il y a ici, on va prendre non-business, on va prendre un côté, on va mettre non-business sous. So, on va mettre non-business sous. Et puis, après, client, après, frise 4, il va supprimer. Et puis, il va contacter pour recharger 4 là.